encore, dis-le encore. Oh, pourquoi quitter? Pourquoi quitter? Pourquoi quitter? Sentier de misère. Oh, par quel amour? Par quel amour? Le chemin de ton cœur. Yeah.
toi, mon Emmanuel, Seigneur. Alléluia. Rabacha de l'ébas. Est-ce que tu peux faire monter de paroles à Emmanuel ce soir? Ah. Est-ce que tu peux faire monter tes paroles à Emmanuel ce soir? Shadabras, akaya mama mama, shadelebos, yandelebash. Tu es toujours là à mes côtés, Seigneur. Tu es toujours là, Seigneur, à mes côtés. Tu es toujours là, Seigneur. Tu es toujours là, toujours présent, toujours présent. Même quand l'adversité se lève, même quand les ennemis s'avancent, même quand Goliath se présente devant moi, moi je n'ai pas peur car je sais que mon Emmanuel est là, mon Emmanuel est présent. Ah, les insultes de Pénina ne représentent rien lorsque je sais que Emmanuel est là. Je n'ai pas peur de l'adversité, je n'ai pas peur de ténèbres car la Bible me dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Je n'ai peur de rien, je n'ai peur de rien tant que mon Emmanuel est là. Ah, Rabassate, Emmanuel, Emmanuel à chaque instant, Emmanuel, Emmanuel à chaque instant. Hey, je te célèbre Emmanuel, je te lève Emmanuel. Ayabras, adadadadado, yadadadadadadadadé, shaya. Rakatada mama 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 sinterebesh inekoria masaka ya mama mama repasunde debesh akarabasa. Je n'ai peur de rien, je sais que mon Emmanuel est là. Rabashata, même devant la mer rouge je n'ai pas peur. Ah, devant les obstacles, tant que tu es là, cela ne représente rien. Cela ne représente rien, Seigneur. Les obstacles ne représentent rien devant toi. Emmanuel, 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 Emmanuel,
mata ya komata na lola kemani ya koyemba na ba anje kemani na yoki kosa komata ya komata na lola kemani ya koyemba na ba anje dile Tu peux t'élever là où tu es. Tu te tiens debout. Nous sommes en train de célébrer Jésus. Est-ce qu'il y a une femme qui peut dire gloire à Jésus? Je ne t'entends pas. Est-ce que tu peux le dire gloire à Jésus? Ah. Oh. Amen. 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 Amen.
peux bouger un peu pour Jésus. Pousse, 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 pousse. Pour Jésus, est-ce que tu peux exhiber les pas de danse ce soir? Maman qui peut acclamer pour le Seigneur. Ah. J'aime une chose. On dit que les femmes sont les premières personnes qui ont expérimenté la résurrection de Jésus. Est-ce qu'il y a une femme qui a vu le miracle de Dieu dans sa vie ce soir? Est-ce qu'il y a une femme qui a vu la main de Dieu? Ah. Est-ce que tu peux maintenant rassembler tes mains pour acclamer celui qui est ressuscité ce soir? Ah. Est-ce que mon lolo n'a eu comme Atalissou sous ma casse? Nous voulons célébrer le Seigneur. Kemo na yo zambe na nga papa e. Kemo na yo zambe na nga lelelelelelele. Yeswa zali na bomo. Lelolo bilibe na masia zali na bomo. Amen. Nous sommes en train de chanter pour la gloire de notre Dieu. On le dit encore. Oto kobina bona lokumu na yo shamae. Zina sulu itu kwenti laba mama Zina sulu itu kwenti laba mama Zina sulu itu kwenti laba mama Zina sulu itu kwenti la Eba mama zina sulu Eba mama zina sulu Tila Zulu itu kwenti la ba mama Tila Zulu itu kwenti la ba mama me Tila Zulu itu kwenti la ba mama
Est-ce que tu peux montrer ta voisine? Est-ce que tu peux montrer à ta voisine ce que Dieu a fait dans ta vie? Oh, Nalingi, oh, Nalingi, oh, Nalingi, oh, Yesu, on dit ceci. Ozwa kinga na zero, okomisinga, Ozwa nga na sterilité, opesa nga ibana, Est-ce que quelqu'un vit le miracle de Dieu? Ozwa kinga na zero, okomisinga, J'entends un marié dire, Ozwa kinga na seliba, opesa nga libana, J'entends une femme stérile dire encore, Ozwa kinga na sterilité, opesa nga ibana, Hallelujah. Hallelujah.
mama yawena yoku mama yawena yoku mama yawena à Dieu pour ce moment merveilleux et glorieux. Shalom les femmes sacrées. Nous sommes honorés ce soir d'avoir reçu ce privilège du Saint-Esprit par l'entremise de la mission Jésus Lumière des Nations qui croit fermement en nous, femmes que nous sommes, en nous accordant ce moment de cette conférence qui est dédié au genre en général et pour ces deux jours spécialement aux femmes que nous sommes. Réunis ensemble pendant ces deux jours autour de ce merveilleux thème qui n'est autre que le pouvoir de la langue, nous sommes convaincus que nous serons remplis d'un pouvoir plus excellent dans notre ignorance pour devenir et comme ces femmes dont nous parle la parole de Dieu, qui ont impacté non seulement leur propre vie, mais aussi des générations, des peuples par leur parole, que ce soit à genoux ou encore debout dans la prière. Nous pouvons citer les exemples de ces femmes comme Anne, Déborah. Il y a aussi Jaël, il y a toutes ces femmes qui ont impacté non seulement leur propre vie, mais aussi des destinées de tout un peuple. Et nous sommes honorés et nous croyons fermement que ce soir nous serons bénis par la parole, que ce thème nous transformera et il fera de nous des femmes plus excellentes et beaucoup meilleures que nous sommes. Et pour cela, nous allons inviter l'orateur de ce soir, qui n'est autre que notre Père, que nous connaissons tous. Et nous commençons d'abord par le remercier. Merci Papa de nous avoir honorés ce soir. Nous le connaissons tous, il n'est plus à présenter, mais le protocole voudrait quand même qu'on le présente. Il est pasteur. Avant d'être pasteur d'abord, il est époux de notre très chère maman, maman Marianne, et père de quatre merveilleux enfants, des filles magnifiques que nous connaissons tous. Et il est pasteur des églises Terre Sacrée et coordonnateur de la mission Jésus Lumière des Nations, enseignant, écrivain et animateur également de l'émission Allô Grossesse. Et nous le savons tous que c'est un amoureux du... Voilà. Sous vos acclamations, nous allons appeler notre très cher papa de venir nous bénir ce soir par la parole. Grâce à Dieu. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce. Merci pour tes servantes. Merci pour ton amour pour leur vie.
te bénissant de ce que tu as bien voulu dans le nom de Jésus. Bénir cette convention des femmes. Tu nous as donné aujourd'hui la capacité de partager cette parole à ses servantes. Bénis-les toutes. Au nom de Jésus, que la conférence des femmes soit bénie. Nous avons ainsi prié, déclaré. Est-ce que nous pouvons dire amen avec des acclamations? Pouvons nous asseoir, précieuse maman. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Pasteur fidèle a eu un empêchement pour m'interpréter. Alléluia. Je cherche un bon interprète. Je ne sais pas. Le berger qui va m'aider à interpréter. Yes. Ouais, maman Yvette est là. Pasteur Yvette va m'interpréter. On acclame le Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette conférence. Dites avec moi, amen. Et je bénis Dieu pour l'esprit d'excellence avec lequel la conférence est préparée, présentée, diffusée, décorée, toutes ces choses. Quand on dit ça à Dieu, vous, il faut acclamer Dieu. Thank you, Lord. Precious. Alléluia. Je vais commencer l'enseignement. Et demain, maman va poursuivre. Alléluia. Amen. Pour clôturer avec des temps de feu. Amen, parce qu'on ne peut pas enseigner un tel message sans prier. Est-ce qu'il y a une maman qui dit avec moi amen? Amen. Ce soir, cette conférence est vraiment bénie. Vraiment, c'est une conférence que Dieu approuve. Une conférence qui va toucher beaucoup de gens dans le monde. Et je suis sûr que cette conférence va aussi changer la femme que nous sommes. Alléluia. Amen. Si dans une femme, dans un homme, il y avait une femme, je pense que tout ce qu'on dit à une femme bénit toujours un homme. Amen. Amen. Donc, ce soir, je vais commencer l'enseignement, le pouvoir de la langue. Alléluia. Amen. Et je crois de tout cœur que nous allons introduire avec beaucoup d'excellence, dit avec moi, amen. Amen. Le pouvoir de la langue, c'est le thème d'aujourd'hui. Je vais introduire avec Proverbe 18, verset 21. Proverbe 18, 21, c'est un texte fondamental quand on parle du pouvoir de la langue. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque aime... Là, ce qu'il dit, on mangera les fruits. On mangera les fruits. Quiconque aime ce qu'il dit, on mangera les fruits. Dieu a donc mis le pouvoir de la langue sur tout le monde. Tout le monde a un pouvoir dans ses dires. Mais il faut bien remarquer, maman, frère, vous tous qui nous suivez en ligne ou qui êtes ici, c'est que la Bible dit que quiconque l'aime en mangera les fruits. Et non pas quiconque l'aime en mangera les racines ni les feuilles, mais les fruits. C'est-à-dire que le pouvoir de la langue ne se voit pas toujours directement. Mais c'est un fruit. C'est-à-dire que quand ça commence, quand c'est dit,
On ne voit rien, mais ça peut donner de très bons ou de très mauvais résultats. C'est pourquoi on dit on mangera quoi? Les fruits. Dites à votre voisine, on mangera les fruits. On mangera le fruit. Mangera les fruits. On mangera le fruit. Ce que tu dis aujourd'hui est une semence qui donnera une plante, un arbre, et après tout ça, tu en mangeras les fruits. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut dire peut rester quelque part pendant un temps. Faire du bien ou du mal, un jour tu mangeras les fruits. C'est-à-dire que personne n'échappe au résultat de ses paroles. Celui qui ne parle pas bien ne vivra pas bien. Lorsque l'on parle du pouvoir de la langue, on ne peut pas exempter ou éloigner la langue aux paroles. Parce que la langue tient son pouvoir des paroles. Alors, aujourd'hui dans la conférence, on s'adresse spécifiquement aux femmes. Alors, pourquoi ce thème est adressé aujourd'hui aux femmes? La première raison, je vais donner quatre raisons naturelles et quatre raisons fondées de la parole. Voici quatre raisons naturelles qui font que ce message est aujourd'hui le thème de notre conférence des femmes. Quatre raisons où les alliés pensent aux alliés copiques, aux alliés cotalisa, botambol na biso basi. La première, c'est parce qu'un jour nous étions en train de nous reposer et Dieu a parlé à sa servante, la prophétesse Marianne. Elle s'est réveillée en disant, Dieu vient de me parler. C'était tellement fort qu'elle s'est rendue compte que c'était un message que Dieu veut l'expliquer. Alors, elle me l'a communiqué automatiquement. Je lui ai dit, si Dieu te l'a dit, c'est que c'est urgent. Très souvent, quand Dieu nous parle, nous avons l'impression que Dieu nous dit toujours des choses qu'on doit faire plus tard. Dieu n'est pas un futuriste. Dieu agit toujours pour le présent avec des effets futurs. Alors, le message, quand maman l'a dit, cela venait aussi d'une conversation qu'on venait d'avoir. C'était après une conversation qu'on avait eue. Dans cette conversation qu'on avait avec maman, nous avions remarqué que en tant que pasteur, nous avons pratiquement dans notre conversation 90% de notre conversation tourne autour de l'église. Donc on ne parle plus pour elle et pour moi. Il y a toujours l'église quelque part. Quand on rit parce que ah, Merveille avait bien chanté ce jour-là, vraiment elle avait bien dansé, nous rions. Lorsqu'on rentre à la maison en colère, c'est parce que ce jour-là, le protocole avait fait telle chose de mal et c'est la colère. Et donc, on s'est rendu compte qu'on ne parle plus pour nous. Toute notre vie tourne autour des gens. C'est vrai que nous sommes pasteurs du peuple, mais nous rendrons compte de notre mariage. Alors, ce soir-là, nous nous sommes repentis. Je lui ai demandé quel est le mal que je lui fais.
Et je lui ai demandé pardon. Et nous nous sommes pardonnés. Donc, à partir de là, on s'était rendu compte qu'on parle, mais on ne parle pas. On ne se parle pas. On parle, mais on ne se parle pas. Alors, quand elle est venue avec le thème que Dieu lui a donné, nous avons senti que c'était sérieux. Alors j'invite une femme aujourd'hui à bien disposer son cœur. Parce que ce thème nous concerne. Dites avec moi, nous concerne. Nous concerne. Si un homme suit ce message en ligne, il peut le suivre attentivement parce que c'est un bon conseil à se donner à soi-même et à donner à sa partenaire. Ce qui m'a dit pas à lui colanda, bis ezali penza maté ya moko conseil moko malamu ezali pona ye moko pepe na kopesa mwa sinaye. OK, voici la deuxième raison naturelle pour laquelle ce message vous est adressé à vous les femmes. Raison ami balé penza o etali sami kobika na biso biso basi na samoyo. Parce que la parole chez une femme a plus d'importance que chez un homme. La parole chez une femme a plus d'importance que chez un homme. Vous allez remarquer par exemple que Dieu a créé l'homme en formant l'homme avec la terre, la poussière. Il souffla en lui. Dieu avait dit, faisons l'homme à notre image. Mais l'homme, lorsqu'il a été créé, l'homme n'a jamais entendu Dieu dire quelque chose sur lui. Dieu a dit, faisons, l'homme n'était pas encore là. Mais quand la femme a été faite en tirant de l'homme, la femme en s'approchant, ce n'est pas la femme qui a appris qui elle était. La femme a entendu dire de la bouche de l'homme, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera comment? Femme. Mwasi ya yoka kinde na nzele ya mobali ke ya kobenga maka mwasi. C'est la femme qui a entendu ça. Ce qui veut dire que la femme, dès le premier jour où sa conscience a fonctionné, c'était la parole qui sortait de l'homme qu'elle avait captée. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, vous allez remarquer que quand on vous dit quelque chose à vous les femmes, c'est toujours des choses que vous prenez très à cœur. Si on peut chercher à épouser un homme, en réalité, une femme n'épouse que l'homme qui a su parler à son cœur. Et non pas l'homme le plus beau. Et non pas l'homme le plus, je ne sais pas quoi. Parce que dans la nature d'une femme, c'est la parole de ses oreilles qu'elle entend dans ses oreilles qui compte. Alors, si c'est la parole que la femme entend dans son oreille qui compte, le thème du pouvoir de la langue est important parce que les paroles qu'une femme peut entendre peuvent aussi venir d'une autre personne, d'une autre femme. Donne avec moi un amen. Amen. Si vous ne savez pas parler et que vous utilisez mal votre pouvoir, vous pourrez détruire d'autres femmes. Vous pourrez détruire d'autres amis. Avant de progresser dans ce qu'on va dire, certaines amitiés que vous avez se sont arrêtées parce que vous n'avez pas su bien parler à une amie. Et jusqu'aujourd'hui, cet ami-là a gardé les mots que tu as dit. La troisième raison naturelle pour laquelle ce message vous est adressé, c'est parce que c'est dans la nature des femmes de privilégier la parole dans les traitements de leurs différends.
Ezali basi basepelaka kobimisa maloba. Pardon, pasteur. C'est dans la nature des femmes Eza na lolenge ya bozalisi ya basi de privilégier la parole quand il faut traiter un problème. Les femmes ne vont pas directement à se donner des coups. Ça, c'est une affaire des hommes. Les femmes commencent le traitement de leurs problèmes par des paroles. Si l'on parle du pouvoir de la langue aux femmes ici, c'est parce que vous, de par nature, quand vous vous fâchez, quand vous avez un problème avec quelqu'un, ça peut être une dispute de 2 heures. Est-ce que j'ai dit la vérité? Amen. Donc les femmes savent parler et elles peuvent parler toute la nuit. Et au point qu'un homme qui parle beaucoup, on lui dit que tu parles comme une homme. Donc vous devez maîtriser c'est quoi le pouvoir de la langue parce que vous vous parlez plus. Et enfin, 4e raison pour laquelle nous allons adresser ce message aux femmes, c'est parce que c'est dans la nature des femmes de commenter les événements liés aux autres femmes par leurs paroles. C'est-à-dire que quand vous entrez dans un salon de coiffure, vous êtes sûr que l'on va raconter toute l'histoire de. Les femmes ne parlent pas du journal télévisé, la plupart des femmes. Les femmes parlent de la coiffure de la femme qu'elle ne connaît pas, qui est en train de passer sur la route, qui ne lui a rien dit et qui ne l'a même pas regardé. C'est dans la nature des femmes. Alléluia. Amen. C'est dans la nature des femmes. Ce n'est pas une insulte. Parce que c'est dans la nature aussi des hommes d'aller aimer une femme tellement vilaine qu'il ne connaît même pas, juste parce qu'il l'a vue bien habillée, mais quand elle se mouille sous la pluie, c'est quelqu'un d'autre. Donc nous avons tous des natures qui sont ce qu'on appelle comme des instincts humains. C'est-à-dire que c'est en toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, tel que vous êtes là, vous avez déjà remarqué que la sœur Jolie s'est habillée en bleu noir. Mais vous ne savez pas ce que moi j'ai mis. Malgré que je suis devant vous. Là où vous êtes, vous savez ce que l'interprète a mis avant moi. C'est dans la nature des femmes. Alléluia. Amen. Alors si tu comprends que c'est ma nature de parler sur les choses, j'ai besoin d'apprendre à parler. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Maintenant voici les 4 raisons que la Bible justifie pour attester que ce thème est pour nous les femmes. C'est-à-dire que la Bible, est-ce que la Bible montre que l'histoire de parler là, c'est important pour les femmes? Est-ce que penza Bible talisi penza le kambo ya koloba penza tali penza basi? Est-ce que la Bible démontre dans les Écritures que les femmes doivent faire attention dans leur façon de parler parce qu'elles ont un pouvoir? Est-ce qu'il y a des versets qui prouvent que les paroles d'une femme, les paroles de la langue d'une femme ont un pouvoir? Est-ce que ma verset zali kotali sa ete penza maloba ya basi ezali na ba verset zali kotali sa ezali na nguya? Voici. La femme a 4 positions qui lui donnent d'exercer le pouvoir avec sa langue. La femme, elle a 4 positions
quatre positions. Qui lui donne d'exercer le pouvoir avec sa langue. La première position qui fait que les femmes ont la capacité d'exercer un pouvoir avec leur langue, c'est parce que les femmes, toute femme a la position de la désirer. Ah oui, oui, c'est comme ça. La position de la désirer. Toute femme est désirée. Toute femme a la position d'être celle que l'on désire. Ce pouvoir-là, cette position que vous avez d'être les personnes que l'on désire, fait que dans votre bouche, vous pouvez changer la destinée de quelqu'un. C'est-à-dire, le garçon à qui vous dites « oui, je le veux » va dormir sur les étoiles. Vous comprenez ça? Amen. Le garçon à qui vous dites « oui, j'accepte » devient celui qui ne se sent plus dans tout son quartier. Vous changez la destinée d'un homme rien qu'en disant oui. Si l'homme a besoin de te donner tout le projet de société qu'il a pour faire de toi une femme dans sa maison, toi, il ne te faut que le oui. Amen. Vous imaginez? Amen. Quel pouvoir la langue d'une femme a? Elle n'a pas besoin de phrases pour être acceptée dans un mariage. Il faut qu'elle dise oui. Allez, acclame d'abord pour toi. Alléluia. Donc, je suis l'homme que je suis. Parce qu'une petite fille ce jour-là, me gardait comme ça avec une corde. Et pendant que je devais attendre son oui. Acclame Dieu pour vous. Ah là 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 là. Donc, quand une femme sait parler, ce que moi, ça est bicoloba, elle peut dire peu pour bâtir beaucoup. Quand une femme a maîtrisé le pouvoir de sa langue, elle peut dire peu pour transformer beaucoup de gens. Qui dit avec moi un amen bien. Amen. La deuxième position, position qui fait et qui donne à la femme le pouvoir de la langue, c'est que la femme a la position d'épouse. Le fait que les femmes peuvent être épouses de quelqu'un, alléluia, cela vous donne un pouvoir. On dirait que le premier point, je ne vous ai pas donné le verset. J'avais dit qu'il faut donner le verset ici. Proverbe 7, 5. Pour justifier que la femme a une position de celle que l'on désire et dont les paroles ont une puissance. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 7, 5 que la femme, pour qu'elle te préserve, la Bible dit que les paroles, l'enseignement sont pour qu'elle te préserve, les paroles de Dieu sont pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles, comment? Doucereuses. Donc ce verset dit que même quand tu ne connais pas l'état d'âme d'une femme, ces mots peuvent te contrôler. Alléluia. Amen. Tu es dans un train. Tu ne connais pas la dame qui est à côté. Elle fait seulement tomber un bâton. Elle ne t'a rien demandé. Toi, tu ramasses. Quand tu ramasses, si elle te dit seulement merci avec sourire
et attitude douce. Soka lobi na okaka merci na lolenge moko ya koseka pe na attitude moko ya pete. Tu as l'impression qu'on t'a emmené à Makala sans te forcer. Oza lo comment on a été le quoi ba memyo na Makala ba tindi ki okutute. Du coup dans le train. Mbala moko na kati ya train. Si tu n'es pas marié bien sûr. Soko balate. Tu as besoin de continuer la conversation. Oza na posa penza te masoro na bine ko bakaka. Tu demandes comment elle s'appelle. Obandu ko tuna kombonani. Elle ne t'a rien demandé. Atunio elokote. Elle te répond Juliette. Alobi Juliette. Après ça tu développes beaucoup pour qu'elle te dise encore oui ou non. Na simo bakisa no susu fini pas lo banana. Tu chercheras à avoir l'adresse mais pour qu'elle te donne seulement l'adresse qui n'est composée que de 12 mots. Tu peux même dire tout un discours pendant 4 heures de voyage. Donc les femmes ont un pouvoir. Alors dans la deuxième position qui fait qu'une femme a un pouvoir incroyable dans sa langue, c'est la position d'épouse. La Bible dit dans Genèse 39:19. Genèse 39:19. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut comment? Enflammé de colère. Même pas vérifié. Il connaissait Joseph. Ayeba qui Joseph? Potiphar. Il savait qu'il était sérieux. Il savait qu'il se comportait bien. Mais quand une femme a la position de l'épouse de quelqu'un, sa parole est plus puissante que l'épreuve. Qu'il y ait des preuves ou pas, parce qu'elle t'a d'abord dit, tu te fâches d'abord, l'épreuve après. Et quelqu'un peut même dire, j'ai d'abord tapé parce qu'il avait mal parlé de ma femme, on va discuter après. Un homme peut devenir judoka à la minute juste parce qu'on a insulté sa femme. Même si je ne vous encourage pas à la violence, mais nous aussi les hommes, on a des instincts bizarres. Dès qu'on a parlé du mal de ta femme, c'est comme s'il y a quelques versets qui tombent et puis tu dois ramasser ça vite. Sinon, tu fais une bêtise. Donc, la position d'épouse fait que les mots que vous sortez peuvent être pris au sérieux par l'homme que vous avez. La position na biso basi ko ikotel sa malobato bimisaka basi ko pensa na boke binyos. Alléluia. Amen. Je pensais que la convention allait faire 3 jours. Parce qu'on devait mentionner d'autres choses le troisième jour. Mais j'ai vu que ce n'était que 2 jours. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on devait vous apprendre comment faire de votre mari un roi. Comment faire d'un jeune garçon qui est votre fiancé un roi. Comment faire de votre mari le président de la nation même s'il n'a pas de trône? Tout ça c'est important. Est-ce qu'une femme comprend? Amen. Bon, on verra si l'esprit du Seigneur nous pousse à vendredi. Amen. La troisième position, position yamisato, qui donne à la femme la capacité de parler et que ses paroles aient un pouvoir extraordinaire. La troisième position, position amisato, qui donne à la femme le pouvoir de parler et ses paroles sont prises au sérieux. C'est la position de mère. Position à cause de la maman. La mère est la première personne qui parle à l'enfant, même si le papa donne un nom différent que celui que la mère va donner. Le premier nom que l'enfant a entendu, c'est le nom que la mère lui a donné. Maman zali motwa liboso oya pesaka mwana kombo atako papa pesi kombo kasi mongongo ya liboso mwana yoka kazali ya mama. La Bible dit Bibi elobi que la mère de Joseph, maman ya Joseph, avait mis au monde 2 enfants. Et ce Joseph-là était l'aîné et le petit s'appelait Benjamin.
Joseph azalaki mwana ya liboso ya mibale azalaki Benjamin. Benjamin c'est le nom que le papa lui a donné. Benjamin azalaki kombo papa pesaki. La mère l'avait appelé Ben Oni. Maman azalaki kobenga ye Ben Oni. La Bible a mentionné le nom que la maman avait donné malgré que le père avait effacé ça. Bible talisi kombo maman pesaki atako papa longolaki yango. Cela veut dire, la parole veut faire comprendre que c'est la mère qui connaît la signification de, du fils qui naît d'elle. Mais cette mère-là n'avait pas la sagesse. C'était Rachel, n'est-ce pas? Parce qu'elle, elle avait appelé son fils « fils de ma douleur » et c'était le fils qui l'avait emmené à la mort. C'est ça, mal utiliser son pouvoir. Alléluia. Amen. Donc votre position de mère, la capacité que vous avez de devenir une mère, même si votre fils devient président, votre fils peut ne pas écouter son père parce que le père l'énerve. Mais il écoutera sa mère. La mère a le pouvoir de s'adresser même au roi. La mère peut emmener l'héritier à devenir roi. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne dans Genèse 27, 6. Dans Genèse 27, 6. Puis Rebecca dit à Jacob. Rebecca a l'obéi Jacob. Son fils. Mouananaye. Ce n'est pas son fils, c'est le fils d'Isaac. Mais la Bible dit non, son fils. Et la Bible considérait que Ésaü était le fils d'Isaac. Et pourtant, ils sont tous nés du même ventre. Mais la mère a le pouvoir de parler et d'annuler le lien qu'il y a entre toi et elle. Aucun enfant n'a le cordon ombilical physique avec son père. Tu peux être le sang de ton père, tu as le cordon de ta mère. C'est pourquoi les plus dangereux sorciers sont des femmes. Et la Bible mentionne, tu ne laisseras pas vivre le sorcier. La sorcière. La sorcière. À cause du cœur de la femme qui peut la rendre intransigeante et dangereuse. Si tu as des problèmes avec un garçon, c'est mieux. Il peut chercher à te taper et te taper une fois. Mais quand tu as un problème avec une femme, elle va te détruire. J'espère que vous vous êtes convertis. Amen. Alléluia. Alors, la Bible dit aussi dans Marc 6, 24. Marc 6, 24. Étant sorti, la fille dit à sa mère, que demanderais-je au roi? Parce que demanderais-je au roi? Ici, on parle ici du temps où Hérode était au gouvernement, dirigeait la contrée, et Hérodia et sa femme, je crois que c'est sa femme. Hérodia, c'est sa femme, je pense. Sa fille, la fille d'Hérodia, s'est mise à danser. Et Hérode a dit, tout ce que tu veux me demander, je te donnerai. Alléluia. Amen. Elle est repartie voir sa mère. Sa mère lui dit, va demander la tête de Jean-Baptiste. La mère peut introduire dans la pensée de son enfant un chemin destructeur. Alléluia. Amen. Vous savez, des fois même quand vous êtes jeune fille, vous dites, oh maman, elle exagère. Vous oubliez que vous vous habillez comme elle. Vous vous oubliez que quand vous mettez le rouge à lèvres là, c'est vous limitez elle. Parce que depuis que vous étiez petite là, vous faisiez ça là sur un petit miroir comme ça là, en vous maquillant jusque sur la joue et le nez. Tout ça pour être comme maman. Donc que tu le veuilles ou pas,
Continue. Que tu le veuilles ou pas, ta mère t'a influencé. J'entends quelqu'un dire amen. Amen. La mère passe plus de temps avec les enfants que le père. L'enfant qui fait mal est l'enfant de sa mère. Quand il fait bien, papa dit c'est mon fils. Quand les hommes disent ça, ils sous-entendent que celui qui a le pouvoir de régler le défaut de l'enfant, c'est qui? C'est la maman. Donc, vous là où vous êtes là, vous avez un pouvoir de changer, de tracer la route de quelqu'un et de changer la route d'un enfant. Totalement. Quelqu'un dit avec moi amen. Amen. C'est la position de mère qui vous donne ce pouvoir. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Quelqu'un comprend cela? Amen. C'est la mère qui a cuisiné la nourriture et a donné à Jacob pour aller donner à papa. Votre position de mère vous permet d'utiliser le pouvoir que vous avez dans la langue. Voici la quatrième position qui fait que vous, les femmes, vous êtes terribles dans vos paroles. C'est que la femme a aussi la position de fille. Moi si pe azana position ya mwana. La position de fille. Azana position ya bo mwana ya kozala mwana ya mwasi. Voilà, parce que je vais vous expliquer. La Bible dit dans Psaume 45, 14, toute resplendissante est la fille du roi. Nyoso engenga kazali mwana mwana ya mwasi ya mokonzi. Dans l'intérieur du palais. Na kati na ndako. Elle est la fille du roi est resplendissante dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissu d'or. Alléluia. Amen. 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 Dans les Écritures, Namakomi, vous ne trouverez pas quelqu'un qui apprécie un garçon. Son fils. Le seul homme qui a été apprécié dans la Bible, ce n'était pas sorti de la bouche de son père. C'était David. On dit qu'il était beau de figure. Son père l'avait laissé avec les animaux. Vous voyez comment les papas sont, non? Voilà. Mais quand nous parlons de la femme à la position de fille, ça veut dire quoi? Quand vous avez un problème même en famille, le fils peut énerver papa. Mais la fille peut adoucir papa. Quand les enfants veulent manger quelque chose, le fils peut énerver papa s'il dit « Papa, je veux la glace ». Mais la fille, même étant petite comme Léane, elle va déjà apprendre l'art de la séduction. Elle va déambuler, te tenir et te contrôler. Tu ne sais pas comment la pousser violemment. Au risque de la fracturer. Vous voyez, la fille a un pouvoir. Même des fois à l'église. Certaines fois, les fils sont dans l'impossibilité de franchir la porte du pasteur. Mais une fille va seulement se tenir, la fille va seulement se tenir là, papa. Kasi moi sa koyo ko ta papa. Un fils qui fait papa dit pourquoi tu te comportes comme une fille comme ça. Donc la position de fille permet de parler au cœur même d'un chef. C'est pourquoi ce thème, si on parle avec les hommes, ce n'est pas la même chose. Parce que amen. Les vraies personnes qui ont ce pouvoir, c'est vous. Acclame Dieu pour vous. Amen. Alléluia. Amen.
Donc il faut souvent intercéder pour moi. J'ai 4 filles. Elles ont toujours le moyen d'arriver à leur objectif. Chacun a son mode de séduction. Après que tu aies dépensé, tu ne sais plus rien faire. Tu as déjà dit, je n'ai pas d'argent, on t'emmène au magasin, on commence à prendre, tu ne sais pas dire remettre. Tu es contrôlé. Donc je préfère dire, allez avec votre maman. Amen. Vous voyez, non? Parce Amen. Qu'elles ont le pouvoir. Donc, cette conférence ici, là, ça aidera et les jeunes enfants, les filles, les mamans, tout ça là. Que Dieu vous bénisse. Conférence sunga penza ba jeune fille ba na pe ba mama. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais encore ajouter, quand tu dis à ton garçon, mon fils, je t'aime beaucoup, bisous, bisous, tu fais ça dès qu'il a seulement 5 ans, ça l'embête. Amen. Ouais, non. Mais jusqu'à aujourd'hui, moi, je demande à Chrétia, fais-moi bisou. Tina moya le longa la senga kana Chrétia, fais-moi bisou. Le plaisir. Pour ça la kapenza qui toko elenge. Donne d'être son père. Et ça penza sengo penza ça la kangai ko sala tata na ye. Alléluia. Amen. Un petit garçon peut s'habiller très bien. Mwana moka mobali amuka ko kolata kitoko. C'est rare que son père veuille entrer avec lui à la fête. Peut-être vous qui avez que les garçons, vous n'avez pas le choix. Dès que vous aurez la fille, vous verrez comment vous allez éjecter les gars. Bon, tournons la page. Alors, je vais finir le message ce soir en vous donnant les 7 pouvoirs de la langue des femmes. Il existe 7 pouvoirs de la langue des femmes. Amen. 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 Premier pouvoir. Yaliboso. Le pouvoir de réconciliation. Le pouvoir yakobongisa. Toutes les femmes ont un pouvoir de réconciliation. C'est-à-dire que mes frères et sœurs dans le Seigneur. Mes bien-aimées sœurs, vous qui êtes concernées, vous avez en vous la capacité de faire, comme on dit, balakotianase. Vous avez la capacité de calmer la chose. Le pouvoir de réconciliation. L'une des choses, vraiment, 3 jours, c'est 2 jours, c'est peu. Non. C'est peu. Parce qu'on doit aussi vous expliquer les ornements de la parole. Les ornements de la parole. Parce qu'une femme qui parle en jeans, veste, cravate, ses paroles n'ont pas le même pouvoir qu'une femme qui parle à son mari en décolleté. Amen. Amen. On a aussi parlé de tout ça. Moi, si vous avez un jean et tonini, et ça ne pense pas si, quand l'obé la mobile, moi, si vous pensez la ti moi bikini. Alléluia. Hey, le troisième jour se dessine. Donc, le pouvoir de réconciliation. Je parle ici d'une épouse, je parle ici même d'une jeune fille. Quand tu es une fille à la maison, tu as commis une erreur, parle à ton père, il va mettre ça, il va se calmer. Dieu vous a donné ce pouvoir-là. Alléluia. Amen. Ne fouillez jamais le courroux, le bâton. Vous avez en vous, les femmes, le pouvoir de calmer le roi. Le pouvoir de réconciliation. Est-ce qu'une femme a compris qu'elle dise Amen? Amen. Et lorsque vous n'avez pas ce pouvoir-là, vous avez le contraire. C'est le pouvoir de division. J'appelle ça le pouvoir destructeur de la division. Celui qui ne réconcilie pas, divise.
Tu es venu trouver une famille soudée. Yo ye kokuta libota ba sangana. Aujourd'hui, tout le monde est séparé. Lelo ba tonyo so ba panzana ba kabwana. Je ne sais pas si tu me comprends. Qu'est-ce que tu es venu dire à ton mari pour que sa famille se sépare? Alléluia. Amen. Tu es venu trouver les choses en place. Tu sépares. Des fois, tu as même l'ami de ton ami et peut-être même un monsieur sérieux. Mais tu les sépares. Rien que par une phrase, tu as oublié que tu es épouse. Hein, tu, par une phrase du genre, non, mon ingano clarté. Ah, peut-être la ta qui manette y a ma belle. Comment est-ce que tu vois toujours le mal chez les gens qui ont vécu avec ton époux pendant des années? Ndenge nini yo mona kaka mabena bato bavandi bambule belé na mobali na yo? Des années. Vous ne pourrez pas garder votre mari à vous-même. Il n'est pas fait, il n'est pas fait que par sa mère et son père. Il est aussi fait des conseils de ses amis. Les bons amis. Des fois, un bon ami peut devenir un bon conseiller. Je ne parle pas des cas où les amis sont mauvais. Le deuxième pouvoir de la femme, de la langue d'une femme, c'est aussi le même pouvoir qu'un homme a, mais je m'adresse aux femmes. C'est le pouvoir de soulager. Le pouvoir de soulager. Pouvoir yako soulager. Une femme peut vous faire baisser la douleur. Rien qu'en parlant. Vous saviez ça ou pas? Bon, peut-être tu ne savais pas quand tu remarquais que tout se calmait. C'est toi. Alléluia. C'est pourquoi je parle des compléments. Vraiment, je sens que je ne dis pas tout. J'ai mal à la tête. Si seulement maman m'a rien dit, seulement comme ça, ça va aller. C'est comme si les éléments nutritifs du médicament pénètre le médicament que tu avais précédemment pris, ça te calme. Moi, si j'étais une femme, j'allais acclamer. Tu veux les choses, tu veux. Amen. Quel pouvoir? Vous pouvez soulager quelqu'un. Même les sœurs dans l'église, lorsqu'elle a vu que son frère, un frère de l'église, on l'a blâmé, il est sous suspension. La sœur peut conseiller le frère se calme. Oui. Vous êtes comme ça. Vous avez un pouvoir incroyable de réconcilier et de soulager. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le pouvoir contraire. Quand tu n'as pas le pouvoir de soulager en tant que femme, tu as le pouvoir destructeur d'aggraver la douleur. C'est pourquoi on dit qu'une femme querelleuse est comme la carie. Voilà, tu augmentes la douleur. La carie a la mauvaise manie de ne pas accepter le vent. Or, le vent est le synonyme de soulager une douleur. Quand tu as mal, on fait pour que ça se calme. Maintenant, quand tu as le pouvoir contraire, quand on fait, ça augmente la colère. Je suis marié, maman. Je connais. Alléluia. Amen. Oui, amen. Donc, quand tu n'as pas ce pouvoir, tu aggraves tout. Il y a une femme qui me suit ici qui dit elle dit ça dans son cœur, mais papa, quand je parle à mon mari, quand je parle à mon mari, malgré que je lui parle doucement, ça l'énerve. Tu as oublié tout ce que tu avais fait avant.
Les hommes sont comme des pierres sur lesquelles on écrit les mauvaises choses que les femmes font. Amen. C'est comme ça qu'ils sont. Non, que nous sommes. Par le Saint-Esprit, les chrétiens, certains chrétiens, et par la sagesse, certains hommes ne font pas attention à ces choses. Mais ton deuxième pouvoir à toi, donc, je disais que c'est le pouvoir de soulager. Troisième pouvoir, le pouvoir de réjouir. Alléluia. Mes amis, il y a peu de publicité où on montre un homme en train de sourire et ça fait plaisir. Des fois même tu dis, il rit pourquoi? Mais dans les mêmes publicités, ça peut parler du savon. Mais qui se lave toujours en souriant? On montre simplement une femme qui lave son bras en souriant. Alléluia. Amen. Vous pouvez observer s'il y a des garçons là. Donc la femme a un pouvoir. C'est pourquoi je dis il y a les compléments. Amen. Les compléments. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Vous avez le pouvoir de donner la joie. Vous savez, quand vous êtes dans un restaurant, qu'un homme est en train de rire et que la femme ne rit pas, tout le monde commence à chuchoter dans le restaurant. Le type là, il est en train d'agacer cette femme. Hein. Mais tout homme qui est dans un restaurant avec une femme qui rit, l'homme peut être en train de la regarder comme ça. Par le plaisir. Alléluia. Amen. Et tous ceux qui sont autour envient cet homme-là. Les femmes, quand elles sourient, elles peuvent vous faire sourire même un inconnu. Il y a aujourd'hui sur le net beaucoup de comédiens. Il y a une fille qui est une comédienne. En route, elle marche en route, elle sourit aux hommes. Et quand elle fait ça, les hommes la sourient d'abord et réfléchissent après. Donc, il commence d'abord, il réfléchit après. Et elle fait souvent des blagues. Quand un homme est assis sur un banc, elle vient s'asseoir à côté. Aucun ne l'a chassé. Quand elle s'assoit à côté, il fait comme ça. Quand elle fait souvent comme ça. Qu'est-ce que Dieu a mis dans la femme? C'est ça vraiment, si vous pouvez découvrir ça, rempli du Saint-Esprit, mais vous gagnerez beaucoup de gens. Vous transformerez vos maris. Vous transformerez vos maris. Alléluia. Parce que Dieu vous a donné ça. Certaines parmi vous aujourd'hui sont tristes. L'homme n'est plus avec elle. Quand elle écoute ce message, elle peut se rappeler que peut-être j'étais pas suffisamment patiente. Et quand quelqu'un, une femme n'a pas ce pouvoir de réjouir, elle a le contraire. Le pouvoir destructeur d'attrister. Je reviens à la maison, tu es content. J'ai parlé avec le DG, il m'a dit on se voit demain. Et là, la femme te dit, ma promesse. Et la femme dit, rien que de promesse. Donc vous, après, donc elle t'a, en un rien, affini. Elle t'a écrasé. Ça, ce sont les femmes qui ont le mauvais pouvoir. Vous avez compris? Amen. Le quatrième pouvoir des paroles d'une femme.
Quatrième pouvoir, il y a Nguye, Abassi, il y a Maloba, Abassi. Le pouvoir de jouissance. Ça, maintenant, tu peux dire ça. Amen. Le ma coquille a co-sépéli ça. Voilà. Alléluia. Amen. Le pouvoir de jouissance. Ma coquille a co-sépéli ça. Vous savez, mes frères et sœurs dans le Seigneur, des fois, quand on est dans un véhicule, que le moteur sonne bien, quand vous conduisez, vous êtes à l'aise. Mais pour faire une longue route, là, il faut bien ouvrir les oreilles. Pour faire une longue route, on a besoin souvent de mettre la musique. Les femmes ont un pouvoir de jouissance dans leur langue. Au point que même si elle n'a pas dit un mot que tu comprends, un gémissement peut être l'occasion d'atteindre le haut de la montagne. Et quand une femme sait parler, oh mon Dieu, l'homme là est béni. Si les hommes me suivent là, ils vont mettre des amen graves. Amen. L'homme là est béni. Ah, comment? Amen. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Quelles que soient les capacités athlétiques que tu as, tu vas chercher. Tu vas chercher ma fille. Quelles que soient les capacités athlétiques que tu as au terrain de jeu. Quels que soient ces mouvements-là. Des fois, tu n'as pas besoin de tout ça, toute cette gymnastique. Si tu sais quel est le pouvoir que tu as dans ta langue. Car il suffit de chuchoter simplement un mot. Pour que tu sois surpris de la performance. Alléluia. Amen. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Je ne peux pas ouvrir. Amen, amen. Hein? Donc, pas des phrases. Malobate. Continue. C'est bon. J'aime. Maloba c'est bien. Oui. Ça suffit. Ekoba. Toi, ne dis pas. Laisse-moi dire. Laisse-moi dire. Alléluia. Sanctifie nos oreilles, laisse-moi dire. Amen, amen. Les femmes ont un pouvoir extraordinaire dans leurs paroles. Vous voyez, non? Voilà. Maintenant, quand tu n'as pas ce pouvoir-là, tu as le contraire. Parce qu'il n'y a personne qui n'a pas de pouvoir de parole. Tout le monde en a, soit le bon ou le mauvais. Parce que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Amen. Donc tout le monde a soit le bon ou le mauvais. Maintenant quand tu es une femme qui n'a pas le pouvoir de jouissance, tu as le pouvoir destructeur de tout faire tomber. J'ai mis les points de suspension parce que je veux seulement attirer votre attention. Amen. Amen. Donc ça, il faut un quatrième jour. Le cinquième pouvoir de la femme, le cinquième pouvoir de la langue d'une femme, c'est le pouvoir du conseil. Le pouvoir du conseil. Quand une femme parle, même si elle n'a pas fait l'économie de gestion des marchés, elle peut conseiller son mari sur l'investissement. Beaucoup d'hommes racontent à leurs femmes qu'est-ce qu'ils ont fait au travail et disent après comment tu vois.
Extraordinaire les femmes. Ah, que Dieu vous bénisse. Amen. Extraordinaire. Amen. Alléluia. Là, elle va te dire. En tout cas, l'affaire de Tokyo, c'est bien. Mais vaut mieux aller à Djibouti. Elle a pris ça où? Le pouvoir du conseil. Les femmes ont... C'est pourquoi je dis qu'il faut le troisième jour. C'est-à-dire qu'on doit vous dire comment ça fonctionne. Les femmes ont la perception. Donc c'est le sentiment qui sent le faux. Elle sent le faux. Elle sent qu'il y a un faux là-dedans. Même si tout est clair, elle peut sentir le faux. Elle te dit, ne va pas au Tokyo. Ne va pas au Tokyo. Va à Djibouti. Alléluia. Amen. Que Dieu vous fasse grâce d'exploiter ce pouvoir-là. Amen. 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 Et quand tu n'as pas ça, tu as les mauvaises orientations. Tu donnes des mauvaises orientations. Sixième pouvoir, avant de finir, les femmes, comme sixième pouvoir, ont le pouvoir du projet dans leur langue. Le pouvoir du projet. Vous savez ce que ça veut dire? Non. La plupart des hommes, lorsqu'ils se font de l'argent, ils ne pensent pas à l'investissement pour la maison. Je ne dis pas tous les hommes. La plupart des hommes, y compris moi, on ne voit pas la faisabilité de certaines choses avec le peu. On voit toujours la faisabilité avec beaucoup. C'est pourquoi les hommes parlent souvent de quand je deviendrai riche, quand j'aurai l'argent là. Mais la femme dit, on peut déjà commencer avec ce que l'on a. Donc, la femme a le pouvoir du projet. Vous ne verrez presque pas un homme vendre du pain. Presque pas un homme vendre les petits commerces qui sont par terre là sur la route. Pourquoi? La femme est visionnaire. Mais en partant du peu. Mais l'homme est visionnaire. En partant de beaucoup. L'homme dit, il faut qu'on ait un supermarché. La femme dit, il faut la boutique. Qu'on ouvre une boutique. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Amen. Les femmes sont comme ça. Une femme a le pouvoir du projet. Moi, ça a peint la ma coquille à projet. Quel que soit son âge, si elle est une bonne femme, elle a ça. Quand vous donnez l'argent à Chrétien, elle est contente. Mais quand elle a son argent, elle investit dans un business, elle coopère, ça fait entrer encore de l'argent. Donc, c'est déjà en elle. C'est comme ça que sont les femmes. Elles investissent. Une femme est une banque naturelle. Comme elle est capable de garder un enfant 9 mois, elle est capable de garder l'argent, vous ne voyez pas. Un homme qui a l'argent, le parfum va déjà le faire voir. La coiffure va le faire savoir. La manière de marcher va le faire savoir. Une femme qui a l'argent peut rester telle que tu la connais. Qu'est-ce qui fait ça? Le pouvoir du projet. Est-ce que les femmes, vous me suivez attentivement? Amen. C'est pourquoi quand la Bible cite les gens qui ont soutenu le ministère de Jésus, le pourcentage est de 99% femmes. Amen. Elle n'était pas elle-même chef. Où est-ce qu'elle avait l'argent?
Elle utilisait tous les pouvoirs que j'ai cités là, tout ce que j'ai cité avec les entre parenthèses, tout ce que j'ai dit là. Les femmes peuvent venir à l'église et tu la vois une maman ordinaire, mais elle te sort les 300 dollars que vous cherchez pour l'étole. L'appel de fond qu'on a fait pour l'étole, la première personne à payer, c'était une femme. Hier, elle a payé. A fouti. Une femme. La sensibilité des femmes, de la valeur des petites choses, les hommes n'ont pas ça. Sensibilité à basse pensée la biloko ya moke mutakoko kokonise na zate. Elle a donné 5 tolls. Elle a pris les 5 tolls dans le capital du commerce qu'elle veut commencer. Vous voyez là où Dis avec moi encore un amen bien. Amen. Lorsque Jésus prend les offrandes dans la Bible, c'est une femme qui est venue mettre les quelques pièces d'argent et Jésus a dit, elle a donné plus que tout le monde. Vous voyez? Les femmes ont le pouvoir du sacrifice pour un plan. Un projet, un programme. Une femme peut manger le même repas parce qu'elle va acheter le pain là. Les cotisations des uniformes ne marchent jamais bien chez les hommes. Les femmes trouvent toujours l'argent pour acheter le pain là. Vous n'avez jamais vu ça? Amen. Il n'y a aucun mariage qui échoue avec l'uniforme chez les femmes. Mais les hommes vont couper un peu le pain de sa petite soeur pour mettre ici dans la veste. Les femmes ont le pouvoir du projet. Si tu comprends ça en tant que femme, tu peux aider ton époux à aller loin, tu peux t'aider toi-même à aller loin. Mais on va t'expliquer comment il faut parler pour ça. Alléluia. Amen. Ça, on ne peut que t'expliquer demain et après-demain. Demain. Alléluia. Amen. On va t'expliquer comment tu peux parler pour que le projet voie le jour. Alléluia. Laisse-moi te donner un exemple. Amen, amen. Amen. Tu peux parler comme quelqu'un parle souvent, chérie. Lévi, comment tu vois ça? On t'a dit ça à la table, demain on te dit ça dehors. Après demain on te dit ça dans la voiture. Sur le lendemain on te dit ça au stade. Après demain on te dit ça. Donc un jour maintenant toi tu dis, chérie, je pense qu'on doit faire ceci. Tu ne sais même pas que la chose là, c'est elle qui t'a mis ça dans la tête. Amen. Toutes les fois où elle te parlait lentement. La femme qui a compris ce qu'elle est va transformer son homme. Elle va transformer sa maison. Les choses qui vont se faire dans la maison vont dépendre d'elle. Que Dieu bénisse les femmes. Amen. Mais la femme qui n'a pas ce pouvoir, elle utilise ça pour les dépenses. Ah chérie, je veux une belle robe. Alléluia. Amen. Achète pour moi, s'il te plaît. Tu es consciente des difficultés. Au lieu que tu investisses ces 300 dollars de la robe, tu veux qu'on t'achète la robe de 300 dollars mais qu'on dorme affamé. Ça c'est un non-sens. Je n'encourage pas les hommes qui ne donnent pas. Ce n'est pas ce que je dis. Amen. Amen. Alléluia. Mais je dis qu'une femme qui ne sait pas utiliser le pouvoir de projet va commencer à pousser son mari à la dépense. Clôturons le message avec le septième pouvoir, le pouvoir spirituel. Toutes les femmes ont un pouvoir spirituel qui fait que ce qu'elles disent peut te communiquer Dieu ou Satan. Dans le monde des ténèbres, la manifestation morphologique qu'on utilise pour la plupart des démons, ce sont les femmes.
Comme quoi, les sirènes des eaux. Il y a des sirènes hommes. Le mot sirène ne veut pas dire femme. Ça veut dire un être composé d'une partie humaine et d'une partie poisson. Mais quand on initie les gens à devenir des sirènes, vous voyez qu'on choisit qui? Les femmes. Plus les femmes. Parce que les femmes ont un pouvoir spirituel de capter les choses de l'esprit. Vous me suivez attentivement. Amen. Ce sont elles qui ont commencé la louange quand Israël sortait de l'Égypte. Les hommes étaient là, ils ne chantaient pas, les femmes ont entonné. Quand Moïse pouvait louer, mais quand Myriam a pris, tout le monde a pris. Donne un amen. Lorsque Jésus est arrivé, il y a eu 12 disciples hommes. Hommes, mais personne d'entre eux n'est allé dormir et vérifier sa résurrection avant la femme. La femme a la captive, donc elle sait sentir le mouvement spirituel. Ce pouvoir que vous avez fait que si vous devenez spirituel, vos paroles peuvent changer votre partenaire, changer vos amis, changer votre entourage. Vous avez un pouvoir spirituel dans vos paroles. Est-ce qu'une femme comprend qu'elle dise amen? Amen. Est-ce qu'une femme comprend qu'elle dise amen? Amen. La Bible dit qu'une femme peut parler et est emprisonnée. Tu vas dormir, tu n'as que elle dans sa tête. Dans ta tête. Vous avez le pouvoir de ce qu'on appelle envoûté en français, pas l'envoûté démoniaque. Vous avez ce pouvoir d'envoûter quelqu'un. C'est pourquoi je conseille les hommes qui me suivent à la télé et ceux qui sont à la technique et ceux qui m'entourent ici. Ne donnez pas votre oreille à n'importe quelle femme. Leurs paroles sont des semences très dangereuses quand elles veulent te détruire. Ne lui permettez pas d'aborder certains sujets. Elles peuvent t'emprisonner au point que tu imagines le sujet avec elles. Les femmes savent faire rêver avant que le film ne commence. Alléluia. Amen. Mais nous devons parler de ça parce que malheureusement nos femmes chrétiennes n'utilisent pas ce pouvoir pour garder leur mari. C'est la femme qui est dehors qui utilise le pouvoir pour te voler le mari. Amen. Ah. Gloire à Dieu. Ah. Amen. Tu as compris maintenant, non? Amen. Là, ça devient sérieux. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Elle est dehors. Elle a peu de temps. Mais elle le contrôle. Il dort avec toi, mais il vit dehors dans sa tête. Comment toi tu parles pour ne pas le contrôler? Comment toi tu parles pour ne pas être capable de l'avoir? Ça, c'est l'épisode qui va suivre demain. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Demain, vous allez l'entendre de quelqu'un qui a contrôlé 2m03 d'auteur, prédicateur, dirigeant des hommes, des serviteurs de Dieu, mais elle le contrôle. Comment elle parle pour le contrôler? Quel est le pouvoir qu'elle utilise pour le contrôler? Quelles sont les stratégies? Quels sont les amplificateurs des paroles qui font que l'on contrôle? Mon mari, pasteur, c'est mon mari, il est compliqué. Non,
une pierre, c'est une pierre. Nous sommes tous pareils. Mais si vous apprenez l'art de parler, le pouvoir qui va se dégager de votre bouche va bénir votre mariage, va sauver votre famille, unir vos familles, aider même les amitiés que vous avez. Lèvons-nous, nous allons prier. Élève ta voix, commence à rendre grâce à Dieu pour cette parole, ce message. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur, remercie Dieu pour cette parole. Dans votre maison, là où vous êtes, remerciez Dieu pour la prédication que vous venez d'entendre. Remerciez Dieu pour cette prédication. Partout où vous êtes, là où vous avez entendu ce message, remerciez le Seigneur. Dieu vous a fait du bien, vous a parlé aujourd'hui par cette parole, remerciez le Seigneur. Racha de brosede de baya. Lebre mando soubrekete luke shadaya. Merci pour cette parole. Merci pour l'introduction de cette conférence. Merci pour la valeur de chaque mot qui a été prononcé aujourd'hui. Que toute la gloire te revienne. Tu vas élever ta voix, ma sœur, pour prier et implorer la miséricorde de Dieu d'abord, pour toutes les fois où tes paroles n'ont pas aidé, n'ont pas construit, n'ont pas transformé les choses. Élève la voix, demande à Dieu de te pardonner en tant que femme, là où tu n'as pas construit avec tes paroles, là où tu n'as pas bâti avec tes paroles, là où tu n'as pas aidé avec tes paroles, là où tes paroles ont détruit, là où tes paroles ont fait du mal, élève la voix, prie le Seigneur. Père, nous implorons la grâce pour toutes les femmes qui, Éternel des armées, ont été une pierre d'achoppement, ont été un obstacle, ont été un blocage pour les familles, les foyers, les projets, pour toutes les fois où elles n'ont pas utilisé leur pouvoir de parole comme il se doit. Je demande pardon avec ces servantes. Je prie que ta miséricorde vienne effacer les transgressions de chaque femme ici. Je prie que ta miséricorde vienne effacer les fautes de chaque femme ici. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, que par la grâce de Dieu, que tout ce qui a été détruit par vos paroles, que l'Éternel Dieu pardonne, que l'Éternel Dieu pardonne. Élève la voix encore pendant que tu es en train de prier, femme. Tu vas demander à Dieu de te donner la capacité de manifester le pouvoir, les 7 pouvoirs que nous avons entendus. Prie le Seigneur, demande le pouvoir de bâtir, demande le pouvoir de réjouir, demande le pouvoir du projet, demande le pouvoir, tout ce que tu as entendu, élève la voix, prie avec moi, Seigneur, je t'en supplie, nous prions pour cela, Père, nous te demandons cela, que toute la gloire te revienne, merci pour ta faveur, merci pour ta grâce, alléluia, donne à tes servantes ce pouvoir. Les 7 pouvoirs qui permettront à ces femmes de pouvoir porter haut l'œuvre de Dieu sur la terre, haut leurs relations familiales, haut leur mariage, haut leurs ambitions, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour tes œuvres, merci pour ta bonté, Seigneur. Que toute la gloire te revienne pour ces femmes. Au nom de Jésus, je vais inviter maintenant chaque femme à élever la voix et prendre autorité sur toutes les paroles des autres femmes sur votre destin. La femme jalouse qui te veut du mal, nous annulons le pouvoir de leurs paroles sur ta vie, sur ton mariage, sur ce que tu fais. Prie, peut-être c'est ta copine, c'est une amie de travail. Prions. Père, nous annulons les décrets, les paroles prononcées contre nous par la femme méchante, par la femme jalouse,
par la femme qui convoite, par la femme qui désire arracher l'homme de ma vie, l'homme de la vie de ma sœur, par la femme qui désire mettre le trouble dans le projet que une maman a ici, nous annulons la femme qui convoite, la femme doucereuse, la femme qui veut prendre ma place au travail, la femme qui veut m'arracher mon succès, m'arracher ma position, m'arracher mon bonheur, m'arracher mes grâces, m'arracher mes affaires. Élève la voix, que ton commerce aille de l'avant, toi dans tes business va de l'avant, femme bâtis ton projet, femme bâtis ton foyer, femme bâtis tes desseins, et que rien n'arrête ta destinée dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ. Béni, béni, vas-y. Prie. Ce qui est à toi est à toi, celui qui est à toi est à toi, ce que tu fais est à toi, la donaille te garde, protège, sécurise, garde, veille. Ebrasa de baranta se katalebra. Oda balebra soupe ya shadabana kaseya. E shadabaya de ne soudebaya de na prosa de tu kasa. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, dit trois fois amen, maman. Devenez des femmes puissantes au nom de Jésus. Par vos paroles, bâtissez. Par vos paroles, construisez. Par vos paroles, élevez. Par vos paroles, réalisez. Par vos paroles, emmenez à l'existence. Par vos paroles, donnez un nom. Par vos paroles, que les choses se réalisent. C'est au nom de Jésus que nous vous avons béni, femme sacrée. Nous acclamons le Seigneur au nom de Jésus. Amen. A été béni ce soir. Nous pouvons le manifester par des acclamations en nous levant, s'il vous plaît, pour la gloire du Seigneur. Levons-nous parce que nous avons toutes été bénies ce soir par ce merveilleux thème, par ce merveilleux message. Est-ce qu'une femme est détenue de pouvoir ce soir? Est-ce qu'une femme va transformer sa destinée, la destinée des autres ce soir? Nous le croyons fermement par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Amen. Avant de passer au moment des offrandes, je vais donner un petit témoignage par rapport au message de papa. C'était le dimanche. Mon mari avait connu un problème. Il a eu un souci dans une affaire qu'il avait faite. Et ça l'avait vraiment, vraiment dérangé. Et il était très, vraiment, je peux dire, hors de lui, je peux carrément dire comme ça. Et j'étais revenue de l'église, et quand j'arrive, il me balance les messages qu'il avait reçus par rapport à l'affaire en question. Et j'étais là, je le regardais, j'ai commencé à lui parler, je lui ai dit, calme-toi, Dieu va agir et tout va bien se passer. Il était là, mais comment ça va se faire? Je lui ai dit, calme-toi, Dieu va faire quelque chose. Et on ne savait pas comment cette situation allait se décanter. Et par la grâce de Dieu, il fallait qu'on frappe des portes pour qu'on arrive à trouver une solution. Et le même dimanche, on était à l'Agapé, chez papa, du CEPAD, et j'ai eu à contacter quelqu'un qui, par la grâce de Dieu, nous a vraiment aidés à décanter cette situation, alors que mon mari ne voyait même pas comment ça pouvait se faire. Donc je dis que déjà par mes paroles, Dieu m'a fait grâce de l'apaiser, et par cette même sagesse, Dieu m'a conduit à appeler quelqu'un, contacter quelqu'un, et ça vraiment décompter toute chose. Et pour cela, je veux vraiment confirmer que Dieu nous a donné un pouvoir. Et soyons juste attentifs à la voix du Saint-Esprit et sachant comment surtout parler pour emmener les choses à changer. En tout cas, merci beaucoup papa pour ce thème et pour ce message. Et merci maman, merci au Saint-Esprit qui vous a vraiment donné ce thème.
Sans plus tarder, nous allons passer à nos moments d'offrande. Nous allons prendre l'offrande de ce soir. Il y a deux services. Ça va se passer deux offrandes, mais qui vont se faire en un seul service parce que nos protocoles ont deux paniers. Il y a l'offrande pour bénir la parole qui a été prêchée ce soir. Et puis, il y a l'offrande pour bénir l'œuvre de Dieu pour tout ce qui se passe ici à l'église. Je vous invite donc, accompagné de la chorale, à venir donner nos offrandes. Avant tout, nous pouvons d'abord prier pour ces moments d'offrande. Tendre Père Céleste, nous venons te rendre grâce. Béni sois-tu, toi qui dans ton amour nous as encore accordé cette faveur de venir dans ta maison. Seigneur, nous prions que tu agrées nos offrandes de ce soir. Nous prions, ô éternel notre Dieu, que nos offrandes se montent à toi comme un parfum de bonne odeur. À celles qui n'ont pas pu, Seigneur, nous croyons, ô éternel Dieu, que tu pourvoiras et que demain, ou encore après-demain, elles te béniront également par leurs offrandes. Que vos offrandes soient bénies par le nom de Jésus et nous vous prions de vous approcher. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons louer le Seigneur. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Yeah, 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 nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Yeah, 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 qu'il soit élevé, qu'il soit loué, qu'il soit loué, oh qu'il soit loué, qu'il soit loué. Nous poussons de cris de joie, qu'il soit loué, oh qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Nous demandons également aux personnes, nous continuons notre louange, s'il vous plaît. Nous demandons aux femmes, aux hommes qui nous suivent en ligne de bien suivre les informations qui sont données sur les écrans et également d'envoyer vos offrandes par tous les moyens qui sont affichés sur les écrans. Est-ce que tu peux danser pour le Seigneur? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué, Jésus, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Oh, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, Jésus, qu'il soit élevé, qu'il soit élevé, roi, Zola yaya, moi n'entends plus que l'ombanga, Zola yaya. Est-ce que tu peux danser? Sola ya ye, ye ye, ye le 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 le. Oh, bolingo yanga na Yesu, bolingo ya sukate o. Bolingo yanga na Yesu, bolingo ya sukate o. Oh, bolingo yanga na Yesu, bolingo ya sukate o. Babeta ki e ponanga, babeta ki e ponanga yo, aswa ki fimbo ponanga yo, bolingo ya Yesu ezana sukate, alleluia, alleluia, tu es mon sauveur.
Voici donc les annonces de ce mercredi 12 avril 2023. Maman, nous avons votre permission pour le vendredi? Merci. Donc, nous continuons notre conférence demain jeudi et vendredi, ici même en ce lieu, à partir de 16h30. On l'acclame pour Jésus! Amen! Dimanche 16 avril, nous aurons notre culte des découvertes à partir de 9h, de 9h à 11h30. Et avant cela, il y a culte des ouvriers de 7h30 à 8h30. La convention des couples est également prévue pour ce mois d'avril en date du vendredi 21 au samedi 22 de ce même mois d'avril 2023, excusez-moi. Le samedi, plutôt 15 avril, il y aura Nuit du Saint-Esprit. C'est, je crois, un programme qui est du deuxième samedi du mois, si je ne me trompe pas. Les ouvriers qui sont planifiés à travailler le dimanche 16 avril sont donc priés de venir passer nuit ici en ce lieu pour mieux préparer le culte du lendemain. L'action chaise continue. Un an de plus, je donne une chaise de plus. Pour celles qui n'ont pas encore honoré ce vœu auprès de Dieu, nous vous prions d'apporter vos chaises, car l'action continue durant toute l'année 2023, durant toute l'année de nos 10 ans. Chaque jeudi, suivez l'émission Allô Grossesse sur la radio B1 au 87.8 FM et sur le canal Plus sur le canal 529. Et vendredi, nous avons cette fois sur la télévision B1 au canal 341, je pense de Canal Plus toujours, à partir de 18h10, l'émission Le Grand Plateau d'Allo Grossesse. La plateforme Alliance Academy vous informe qu'il y a des ouvrages disponibles auprès du comptoir administratif. La plateforme Alliance Academy vous informe qu'il y a des cours pour grandir dans la foi, et ces cours sont disponibles sur le site www.allianceacademy.jlnmission.com. Il y a également plusieurs ouvrages d'édification qui sont écrits par notre père, le pasteur Lévi Kongolo, qui sont disponibles au shop du comptoir administratif. Pour tout besoin, pour ceux qui veulent grandir plus dans la connaissance, nous vous prions donc de vous approcher du comptoir administratif. Voilà donc les annonces de ce mercredi 12 avril 2023. Que Dieu vous bénisse. Nous appelons notre père, le pasteur Lévi, pour la clôture de ce jour 1 de la conférence des femmes. Gloire au Seigneur, tenons-nous debout, maman, chère femme. Alléluia, que Dieu vous bénisse, dites avec moi Amen.
Avant de sortir, je vais vous demander, le photographe va être disponible ici. Avant de sortir, si vous pouvez monter, faire un sourire là même. Qu'on vous prenne en photo en souriant. Je vais vous expliquer quelque chose quand j'en parlerai le vendredi. Amen. Est-ce qu'une sœur, une maman, une sœur peut sourire un moment? Essaie de sourire à ta voisine. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Il n'y a presque jamais une femme vilaine en souriant. Si une femme sourit et qu'elle est vilaine, il n'y a plus rien à rattraper là-bas. Mais je crois qu'il n'y en a presque pas. Relevons les mains. Je vous recommande à la grâce de Dieu, dites Amen. Que Dieu bénisse les femmes que vous êtes. Que Dieu bénisse les hommes qui ont participé. Que la grâce de Dieu repose sur vos vies. Allez dans la paix et que l'Adonai, le protecteur, le shalom soit avec vous. Au nom de Jésus, que demain soit une soirée de révélation, de communication et que Dieu transforme nos vies pendant toute la conférence jusqu'à vendredi. Donne trois fois Amen. Que Dieu vous bénisse, bonne soirée et merci de nous avoir suivis dans vos téléviseurs et téléphones. À demain pour la suite de la conférence. Bye bye. Photographe.